Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech Vidéo qui nous a été demandé. Alors on en parle très souvent avec les clients en magasin, nos architectes ont régulièrement des retours avec cela. Quand on propose un évier en inox, alors il y a plein d'autres matières que l'inox, on a par exemple la céramique, on a le site granit, la résine et l'inox, on en place encore beaucoup, mais les gens nous disent souvent, oui mais à l'entretien, parce que moi j'ai eu un évier en inox mais j'ai toujours eu des traces de calcaire, comment réussir à ravoir mon évier en inox, qu'il soit beau comme au premier jour? Alors l'avoir beau comme au premier jour, ben c'est difficile parce que l'inox a quand même tendance un petit peu à se griffer, un petit peu à se patiner, mais il peut redevenir très beau. Quand vous avez un évier comme ceci en inox, alors il y a différentes matières. Ici, on est sur un évier d'un millimètre d'épaisseur. Vous avez par exemple des taches de café. Vous voyez, c'est vraiment un évier qui vit. On doit d'abord évidemment rincer tout cela. Mais vous avez également des traces de calcaire qui pourraient rester. Alors, vous prenez une pierre d'argile, vous avez deux côtés à l'éponge, le côté un peu plus granuleux et le côté doux, et vous commencez à nettoyer votre évier. Vous allez voir que ça peut paraître fastidieux, mais dès que vous avez ce petit réflexe, il ne faut pas le faire à chaque fois, bien évidemment, mais la pierre d'argile comme ceci rend vraiment votre évier brillant, atténue les taches, enlève les petites traces de calcaire en surface, parce que évidemment, comme c'est de l'inox, pratiquement rien ne peut rentrer à l'intérieur, c'est vraiment un traitement de surface que vous allez faire. Vous avez par exemple, vous voyez, des petites taches un petit peu plus difficiles à ravoir comme ceci. De temps en temps, n'hésitez pas à prendre une éponge un peu plus dure que celle-ci, histoire de vraiment venir gratter. On n'a pas besoin de reponcer ou de rebrosser un évier en inox. Quand le produit est bien en place, vous avez bien nettoyé, vous voyez déjà l'éponge est un petit peu plus foncée. On va simplement maintenant rincer. Vous pouvez rincer avec de l'eau tiède, voire un peu plus chaude. On rince d'abord son éponge, évidemment. Et c'est parti. Alors, ce produit-ci marche sur pratiquement tous les éviers. Il n'y a pas de, il n'y a pas besoin d'avoir un évier, un type d'inox ou une marque d'inox spécifique. Voilà, et vous l'avez vu au départ, quand vous avez terminé avec la pierre d'argile, les petits recoins, voilà, quand vous avez terminé avec l'éponge, si vous désirez le sécher pour qu'il reste bien beau, voilà. Pour ne pas avoir ce petit dépôt blanc de la pierre d'argile, il faut toujours bien rincer son évier et venez voir le résultat que vous allez avoir. En une ou deux minutes, vous avez vraiment réussi, grâce à la pierre d'argile, à redonner un éclat impressionnant. Alors, si vous me demandez, voilà, ces griffes dans le fond, alors ceci est tout à fait normal dans la vie d'un inox, ça ne choque pas, ça fait partie de la qualité du produit. Maintenant, vous voyez qu'aucune tache ne peut vraiment rester dedans. Et quelquefois, quand il se patine, quand il se griffe, entre guillemets, comme ça, c'est ce qui donne également son charme à l'évier. Voilà, vous avez vu en fait le produit, la pierre d'argile, on trouve ça également en magasin, n'hésitez pas à passer nous voir. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Pinterest. Laissez des pouces si vous avez aimé cette vidéo, des commentaires si vous voulez qu'on teste d'autres choses et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !